Mheshimiwa Colonel, tunasikia ombi yako kusema na kia kuomba msamaha kwa vitendo ambayo viongozi wa sekteri ya Lulenge walitendewa. Tukitaja viongozi wa sekteri ya Lulenge ni kusema chef de sekteri wa Lulenge, Bamwami Bawili, Mwami Tulungu Kabeza, chef de groupement wa Basikasingo, Mwami Kilenga Mutabili Trua, chef de groupement wa Basimimbi, secrétaire administratif wa secteur ya Lulenge na président wa PPRD wa secteur na ambaye ndiye njo greffier pia wa tribunal tribunal de paix antenne ya Kilembwe. Katika mazungumzo yako unasema unakuja kulomba msamaha kwa niaba ya wa askari, kwa maana kitendo ilifanyika inachafua sura ya waskari, na ikiwa maneno yengine itakuwa kuhusu mwenye alitenda ile kitendo, itawangalia sa chef de secteur na mwenye alifanya kile kitendo, sababu infraction iko individuel. Na katika kusema yako ulizungumzia pia kusema hii maneno isingalikuwa politize, kwa sababu wa politisien wanazoea kukamata kila kitu na wanakipatia ampleur nyingine. Na katika kuzungumza yako pia ulizungumza kusema kwamba ulikuja ukuta mambo yaliyotendeka Mkolochi, na kwa hiyo mambo ilikusikitisha sana, ukagusia juu ya situation ya usafi wa sekteri ya Lulenge, na sisa vile wazazi tulisikia mambo ulisema. Na katika kusema yako tutagusia hiyo maneno uligusia kusema hii maneno haupende ikue politize na maneno imalizike. Ndiyo, kuna mezali yetu wa Bembe nasema na otuwa aididio wa Ikulu. Maana mtu kama alikuwa na kamata juu na akisema na choka, anaanguka, anaacha anaanguka. Na Wabembe walisema pia ungo akianza jikuna na kiamkulu, chamukono maana yake vile, anawezwa. Mubembe akasema abele abele, ako ni neiboa. Kitu inakuwa iko repete, inazua kuumiza sana. Na kwa sababu ya hiyo, Wamwami walikuwa nisha tayarisha deklarasyon yao ambao walipasha kusoma siku ya tatu, na kuona kama ulifika kwa ajili ya hiyo hiyo jambo, tutasoma ile deklarasyon yetu hapa, na hiyo deklarasyon yetu ibeleke vile vile tutaisoma, usipunguze wala kuongeza. Utufikishie ile deklarasyon yetu kwa kila mmoja yule ambaye anahusika na ngazi yoyote ya utawala katika serikali ya Congo. République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, territoire de Fizi, secteur de Lulenge. Antenne de secteur de Lulenge. Déclaration de chef coutumier du secteur de Lulenge suite à l'agression du chef de secteur et sa délégation par le lieutenant-colonel Nicho Nehemi. Le chef coutumier du secteur de Lulenge, émis par l'acte ignoble d'humiliation, de sabotage, de provocation, défiant et combien méprisant, perpétré par le lieutenant-colonel Nicho Nehemi, commandant FRDC 2104 régiment de Salamabila, contre la personne du chef de secteur de Lulenge, à l'occurrence Monsieur Kabindula Mulumba Samuel, et sa délégation composée de deux chefs coutumiers, nous citons Sa Majesté Mwami Tulungu Kabeza II et Sa Majesté Mwami Kilenga Mutabili III, respectivement chef de groupement de Basikasingo et de Basimimbi, ainsi que du secrétaire administratif secteur et du greffier tribunal de paix antenne de Kilembwe, se sont réunis pour cette opportunité en vue d'étudier et d'analyser les raisons, disons bien les causes profondes qui ont prévalu à cet affront. Il ressort de ces études et de ces analyses que, de près et de loin, cet acte est purement et simplement une préméditation. Quelqu'un se demanderait pourquoi les qualifions-nous d'actes prémédités. Trois faits le prouvent. Primo, juste à sa descente du véhicule, après qu'il ait franchi une distance de plus de 300 mètres à pied de la bifurcation épée Nakilisa jusqu'à l'hôtel Nakilisa, à la hauteur de Kasoko, en diagonale de l'hôpital général de référence de Kilembwe, le lieutenant-colonel Nicho Nehemi
avait voulu savoir où se trouverait le chef. La population, ne sachant pas de quel chef était question, lui répondit que le chef du village se trouve près de la bifurcation d'où il venait et le chef de secteur réside en deçà de l'hôtel 5 sur 5. Quelle était la grande stupéfaction de cette population à la question de ce lieutenant-colonel qui, avec un air méprisant, demanda s'il existait un chef de secteur ici à Kilem. N'en est-il pas informé depuis ce siècle qu'il avait déjà passé à Salamabila, secteur voisin et frère au secteur de Luleng? 2. À sa rencontre avec la délégation du chef de secteur Luleng à Takalama, le 12 mai 2020, cette même question sera reformulée de façon pamphlétique au chef de secteur par le même lieutenant-colonel Eni Chonemi. Alors que le chef de secteur présentait devant son hôte sa qualité, le lieutenant-colonel Eni Chonemi demanda au chef de secteur s'il était supérieur à un commandant et phare de ce régiment. Cette question suscita et peut susciter jusqu'au jour d'aujourd'hui et remet en doute la formation aux arts de mars de cette autorité militaire qui ne sait pas, au regard de la loi, quel que soit le niveau, une autorité militaire ne saurait être préséante à une autorité civile. 3. Ce ne serait pas lui qui se permettrait d'assainir le premier, le chef de secteur de coup. Point n'est besoin de confirmer que les comportements affichés par Nichonemi à l'encontre de nos chefs revenant des missions de service et que nous dénonçons avec véhémence devant l'opinion tant nationale qu'internationale trouvent ses motifs dans l'esprit machiavélique et la machination de nos hôtes, les rwandophones, qui projettent d'exterminer tout moyen oblige toutes les autorités des autres communautés, intellectuels y compris, de l'espace physique tombe. Pour enseigner et éclairer la lanterne de toutes les opinions si haut citées, nous faisons remarquer que la plupart de nos autorités, notamment celles du secteur du Tombo et du groupement de Bassimouniak-Assid, sont contraintes de se chercher asile au-delà des frontières de leurs entités respectives, fuyant la perfidie de ces hôtes. Au fait, qui est sans ignorer les auteurs, les causes et les circonstances de l'assassinat du chef coutumier Henri Spack de Bassimouniak à secteur du Tombo en 1996, de la mort du chef de village Kawaza, du capitaine de Matanganika, du notable Roussoumba en 2019. Nous ne pouvons pas laisser inaperçu ce qui s'était passé à Kasserebela, en secteur de Bébé Salamabila en 2017, sur la famille du directeur Ramazan Biote, abattu froidement avec sa femme et tous ses enfants devant sa maison par ses rwandophones. Une question mérite à cet effet d'être posée, faisant la somme de tous ces actes. Pourquoi nous, les chefs de l'espace Fizi Tombwe, sommes-nous victimes et cibles mortelles de nos hôtes? Aurions-nous commis une faute de les accepter chez nous? Qu'à cela ne tienne, le chef coutumier du secteur de Luleng serait juste du fait que le gouvernement congolais, par le biais des autorités militaires si présentes, conduites par le commandant axe opérationnel Maniema, le colonel Biagoloa, reconnaissent les forfaits commis contre nos autorités à Takalama la semaine dernière et viennent demander pardon à toute la population de Luleng. Ce pardon est accepté, mais moyennant quelques petites recommandations. Primo, afin de redorer l'image des FARDC déjà ternie par les comportements et l'acte posé par le lieutenant-colonel Nichonemi et de restaurer l'autorité de l'État en secteur de Luleng en particulier et en République démocratique du Congo en général, le chef coutumier du secteur de Luleng souhaiterait la traduction en justice du lieutenant-colonel Nichonemi et que sa cause soit entendue en chambre foraine, ici même à Kilembwe, partant du principe de la territorialité de l'infraction. 2. La mutation de toutes les troupes qui étaient sous son commandement, sans être infectées et séduites par cet officier militaire. Nous disons séduites parce que leur comportement les traduit et les prouve par la façon dont elles préméditent au clair du jour contre la population de Kilembwe et les ports de leurs armes. 3. Le chef coutumier réitère les recommandations sorties de la réunion organisée par Sa Majesté Moi Missi Batwa, député provincial côté du Sud-Kivu, en octobre dernier à Fizi. D'après cette recommandation, il était demandé aux autorités militaires hiérarchiques et compétentes
de ne pas commettre les commandants militaires de communautés vivant dans l'espace physique Tombwe à la tête de troupes en poste dans cet espace. 4. La restitution de tous les biens de chefs coutumiers spoliés par les troupes en escortage du lieutenant-colonel Nichonemi, notamment les téléphones et d'autres biens de valeur. 5. La restitution de tous les imprimés de valeur, l'argent pris dans les postes et ficelles des transactions du secteur. C'est par la lecture de ces recommandations que nous disons et nous vous remercions. Fête à Kilembwe, le 18 mai 2020, pour le chef coutumier Mwami Tulungu Kabezade, présent en atel secteur de Lulenge, Mwami Kisala Bumbu Soumaïl, premier secrétaire en atel secteur de Lulenge, Mwami Kayumba Kilosho David, trésorier en atel secteur de Lulenge, Mwami Kasindi Kitongo, conseiller en atel secteur de Lulenge, Mwami Kilenga Mutabili, 3, conseiller en atel secteur de Lulenge. Merci.